Et salut à tous, c'est Megavolt et bienvenue sur cette vidéo découverte de Beekeeping Company. C'est un jeu apparemment sur les abeilles que je ne connais pas du tout. Alors, donc tutoriel, click the beehive to get honey. Donc cliquez sur la ruche pour avoir du miel. J'espère que c'est pas un jeu où il faut cliquer comme un taré. Ok, alors je vais de ce pas utiliser un petit programme. Hop là. Qui va me permettre de faire de l'autoclic parce que j'ai pas envie de cliquer comme un taré. D'autres choses à faire dans la vie de plus intéressant. Voilà, donc ça clique tout seul toutes les 20 millisecondes. Alors donc là ils me disent que je peux vendre. Je peux vendre 1, 10, la moitié ou tout. Ok. Je vais faire tout. Hop là. Apparemment, là, je peux multiplier les prix par 2, mais bon. Alors, donc maintenant que j'ai 38 en fric, increase on the price. Donc, je peux augmenter le prix du miel. Voilà, donc la prochaine augmentation me coûtera 100 et donc j'imagine que je ferme. Donc on voit que ça me rapporte 3 miels. Alors j'imagine que par la suite je pourrais avoir d'autres ruches. Alors là j'ai un speed x2, à quoi ça correspond ? Un écran sombre. Ok, une pub. Préparez-vous à ne pas avoir de publicité. Ouais, le x2, en fait, c'est pendant une minute. C'est pas très... bof. On va profiter de cette minute pour faire de l'autoclic, voir combien on peut récupérer de miel. J'ai coupé la musique du jeu, déjà pour des questions éventuelles de droits d'auteur. Et puis en général, les musiques sont assez bof, donc. Donc je vois qu'en dessous le 6, j'ai deux cadenas, donc peut-être que la ruche va produire après, peut-être, je sais pas, moi, de la cire, ou d'autres choses. Great Sale, Achievement, Factory, donc usine. Est-ce qu'il y a moyen de mettre le jeu en français déjà? Nine. Ok. Alors, increase passive speed. Donc là, c'est quand le jeu est éteint. Donc ça continue à rapporter. Là, c'est pour augmenter donc le prix du miel. Increase amount. Ok. Ah ouais, donc là, c'est pour. Ouais, ok. Donc on peut débloquer le pollen pour 250 et peut-être après de la fameuse cire. Ok. Donc, ça serait peut-être pas bête de faire un prize x2. Donc comme ça, on sera à 8 et 8, 16, on sera à peu près à 1700. Voilà. Le prix x2 est dur. Donc on va continuer un tout petit peu à faire du truc comme ça. En fait, ce sera pas mal éventuellement de faire un x2 speed. Et ouais, comme j'ai fait, en fait, c'est...
Ok, donc on peut garder les deux en même temps, c'est bien ça. Et je le mettrai en vente juste à la dernière seconde. Si je peux faire un petit 1000, ça serait cool. Logiquement, oui, ça devrait être largement faisable. Peut-être un 1005, non, ça va être difficile. Voilà. Alors, on va augmenter le pollen. Là, c'est pas très cher en fait. Là, on peut aller. Ah, c'est peut-être là les ruches, ok. Et la deuxième ruche, elle passe directement à 800. Là, on peut aller jusqu'à 10. Pourquoi je pas. Ah ok. Donc là, ouais, après il faudrait que j'achète du. Ok. Ça, la monnaie est le dollar et là la monnaie est le pollen apparemment. Par contre, je vois pas comment gagner du pollen. Ah si, j'en ai deux là. Donc ça produit 100% de miel et 5% de pollen. On va pas aller très loin avec ça. Ok, donc là c'est ok, c'est pour augmenter les chances d'avoir du pollen. Ok. Et là je peux vendre du pollen pour 150. Ah non, j'essaie d'en garder donc. Et après c'est 1000, ok. Il s'est passé des trucs chelous là. Ok, donc comme je suis à 10% pour le pollen. Par contre là, c'est effectivement sur celle-là, ça va plus vite. Beehive 1. Ouais. Alors là, il est marqué voir autour, ok. Ah si, oh ouais, ok. Hein, je peux vendre comme ça aussi, c'est cool ça. Ok, donc après on passe à 2K. Par contre, les ruches. Pour l'instant, le prix du pollen, on va pas s'en occuper parce que c'est là qu'on va devoir l'utiliser après. Ah, ok, donc le prochain, c'est de la gelée royale apparemment. Donc là, je suis level 9, level 4.
C'est peut-être comme ça qu'on monte les... Là, je suis level 5, donc logiquement, ça va plus vite. Je vais le monter au level 10, on va voir ce que ça va donner. Le gars il produit 9. Parce que peut-être il est. C'est le level 9, donc il produit 9. Et maintenant il produit 10, ok. Écoutez, on va le passer au level 10 aussi, hein. On va voir ce que ça va donner. Et comme j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais voir si en faisant un x2, ça augmente également par rapport au clic. En tout cas, si le programme d'autoclic vous intéresse, ça s'appelle GT Autoclicker. Non, visiblement ça accélère le temps pour la production mais pas pour, pour le reste. Vous imaginez, il faut cliquer 700 fois. Je croyais que ça va faire pas de cliquer 700 fois. Pas une machine. 800 fois pour le niveau 8. Ça propose le niveau 10, faut que les presque cliquer 2000 fois. On compte 900 plus 800 plus 700 plus 600 plus 500 plus 400 plus 300 plus 200 plus 100. Voilà, on est à bientôt à 2K en miel et à 60 pour l'autre. Et j'imagine que pour augmenter la gelée royale, ça sera peut-être... Pardon. Avec une autre monnaie. La monnaie gelée royale probablement. Par contre, là, je viens de passer le niveau 10. Est-ce qu'on papote, on papote, et puis au final... D'ailleurs, peut-être que je devrais faire les enregistrements en 4K, ce serait peut-être mieux, je pense. 4K 60 FPS, ça serait bien. Bon, après, pour ce genre de jeu, je sais pas si c'est vraiment utile. Faudrait jouer avec la puissance de mon PC et la puissance des jeux que j'utiliserais. Parce que pour le cloud gaming, ça pourrait être intéressant parce que le PC n'est pratiquement pas utilisé. Le problème, c'est que le cloud gaming ne se fait pas en 4K, donc ça servirait pas à grand chose. Je ne sais même pas si on est sur du HD 30 ou du 1080 30 ou 60. Probablement du 30, mais bon. Actuellement, là, je suis en 1080p 30 fps. Allez, on va bientôt y arriver. Après, je ferai un petit x2 pour la thune, pour la vente.
Voilà, c'est fait. Alors. Là. Là, on est à 21K si on vend tout. Donc, ça nous ferait un petit 42. Ah, même 43, voyez-vous, hop là. Alors, on va voir ici au niveau des upgrades. Increase pollen production. Voilà, donc c'est 5000 pour la gelée royale. On va falloir produire plus de... On va le monter au max. Ouais, je suis qu'à 35% et il faut 32 000. C'est cher les gars, c'est cher. Donc techniquement ça fait quoi si je fais ça? Ouais, 139, 140. Ça monte un peu plus vite quand même. Cent cinquante, ouais, ça serait peut-être pas mal. Ça rapporte juste un en plus, mais bon, c'est toujours ça. Donc il faut 5000. Voilà, donc là on est comme passé déjà au level 12. On voit que ça va quand même un peu plus vite. Donc comme 1200 clics. On est à 35%. Voilà, 35% sur les 3. Ouais, mais écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais les continuer un petit peu à leveler. Je vais voir également pour mettre le jeu en mode entre guillemets pause pendant peut-être plusieurs jours. De toute façon, comme j'ai beaucoup d'avance sur les vidéos, ça se trouve, je vais peut-être. Alors, je vais pas coller les deux vidéos l'une à l'autre, mais je vais peut-être pouvoir en sortir une, j'ai n'importe quoi, à 18h. Elle dure 20 minutes, et puis la suivante à 18h30. Voilà. Donc. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Jouez bien. Bye bye.